Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de la deuxième guerre, donc la troisième partie de Warcraft 2, ou tout simplement la première partie de Beyond the Dark Portal, puisque on fera ce cycle, en fait, tout simplement cet arc narratif, on le fera en deux parties. La première, c'est la campagne de la Horde, et la partie 2, ce sera la campagne de l'Alliance. Donc, évidemment, comme sur la... Enfin, évidemment... pas forcément évident comme ça, mais comme pour la première partie de la guerre, eh bien, sur cette deuxième partie, c'est la Horde qui est à l'initiative, et aujourd'hui, nous allons tout simplement traiter de l'ascension d'un de mes personnages préférés de la licence Warcraft. Il s'agit bien sûr de Ner'zhul. Ner'zhul qui est... Alors là, par contre, c'est pas de manière objective. Hein. Ner'zhul était présenté dans Warcraft 2 et dans Warcraft 3... dans Warcraft 3 comme une espèce de Sauron de l'univers de Warcraft. Alors maintenant Ner'zhul dans WoW, tout ça, il a été un peu mis de côté, même beaucoup, mais à l'époque c'était vraiment considéré comme l'un des sorciers les plus puissants, et c'était tout simplement un peu le Sauron de l'histoire. Et c'est pour ça qu'il y a des petites, bien sûr il va y avoir, vous le verrez, mais il y a des petites ressemblances, des petits points qui vous manqueront pas, je pense, parce que c'est vrai qu'il y a notamment les Chevaliers de la Mort qui ressemble exactement au Nazgûl en termes de trait pour trait. C'est vraiment des chevaliers, enfin les chevaliers de la mort, c'est je rappelle, de la deuxième guerre, hein, les chevaliers de la mort, pas les chevaliers de la mort de la troisième guerre. Je ferai probablement une vidéo là-dessus d'ailleurs un jour, pour, parce qu'il y a beaucoup de confusion entre les chevaliers de la mort. Mais en tout cas, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. On va pouvoir commencer avec eh bien, un petit récapitulatif. Je vous laisse bien sûr aller voir la vidéo sur Warcraft 2, partie 1, partie 2, Tides of Darkness, puisque là, bah, Beyond the Dark Portal, c'est la suite. Donc je le rappelle, la deuxième guerre, on va dire qu'il y a eu une petite trêve avec la défaite d'Orgrim Doomhammer et la Horde lors de la bataille du mont Blackrock, et ensuite la fuite, la retraite du reste de la Horde, sachant qu'une énorme, enfin une très grande partie de la Horde a été capturée par les humains, enfin par l'Alliance tout simplement. Et du coup, eh bien, c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qu'on va faire des orques. Alors il y a énormément de pertes bien entendu de chaque côté. Et la guerre continue. Dans l'époque, la guerre continue, c'est juste que là, il y a une trêve, puisque il faut bien comprendre que Beyond the Dark Portal, ce n'est pas la même horde. Vous avez la horde des orques d'Orgrim Doomhammer, qui vont ensuite, eh bien, par la suite, faire la nouvelle horde de Thrall. Et il y a la horde de Ner'zhul, qui est une autre horde avec d'autres clans. Ner'zhul n'est absolument pas l'héritier d'Orgrim Doomhammer. Donc Orgrim est capturé, comme on l'avait dit dans la vidéo précédente. L'Alliance triomphe de la horde lors de la bataille du mont Blackrock. Et vous allez voir qu'il y a, j'en avais déjà parlé un petit peu, mais il y a des poches de résistance de la Horde qui vont réussir à fuir et réussir à se cacher. Vous avez sur l'image là notre cher Kilrog Deadeye, donc Kilrog œil mort, je crois en français, qui va avec son clan, donc les Bleeding Hollow, donc les Orbites Sanglantes, eh bien se terrer dans les montagnes et dans les marais des Morasses Noires, donc ce qui sera plus tard dans World of Warcraft les marais des Chagrins, je crois, ou des Lamentations, des Chagrins il me semble. Donc c'est tout simplement dans cette zone là que Kilrog va se cacher. D'un autre côté, nous avons également un autre clan avec deux autres Gugus qu'on a beaucoup évoqué lors de la vidéo précédente de Warcraft 2, c'est tout simplement le clan Blacktooth Grim, donc le clan Noir Dent, géré par les fils Blacken, donc les fils Main Noire, à savoir Reign des Maim. Donc eux, ils vont fuir vers justement la montagne, ils vont se terrer dans les montagnes aux alentours du mont Blackrock, et plus tard ils reprendront le mont Blackrock quand l'Alliance aura regagné ses différents bastions. Et enfin, il y a une partie de la Horde qui va réussir à traverser la Porte des Ténèbres, notamment une autre partie du clan Bleeding Hollow et un autre héros de la Horde, à savoir un des membres du Conseil des Ombres de Gul'dan, donc un des fidèles de Gul'dan, c'était Theron Gorfind, donc Theron Fiel Sang, je crois en français, mais de toute façon même en français maintenant il l'appelle Theron Gor, donc Theron Gorfind, qui va traverser le portail. Donc ça va devenir tout simplement le chef des Chevaliers de la Mort. Et voilà, il y a un bout de la Horde qui va réussir à retourner sur Draenor, donc leur monde d'origine. Donc on verra par la suite, mais ce qui est très important, on l'étudiera, on fera une vidéo, quand j'aurai fini Beyond the Dark Portal, la grosse vidéo ensuite ce sera sur l'entre Warcraft 2, Warcraft 3, avec notamment eh bien, l'ascension, je dirais le chef de la rébellion, avec notamment Thrall, mais en l'occurrence eh bien les orques, donc comme je l'ai dit la plupart, donc on va dire des chiffres, bon c'est un peu aléatoire, mais c'est entre 70% et 80% de la Horde est capturée finalement, en tout cas dans les survivants, hein, dans les survivants bien sûr, 70 à 80% de la Horde est capturée.
et va tout simplement eh bien, continuer sa lutte, les autres vont continuer leur lutte comme je l'ai dit un petit peu partout, donc c'est ce que j'ai évoqué juste avant, et les autres sont capturés. Et le problème c'est qu'à ce moment-là, l'Alliance eh bien, doit prendre une décision, puisque qu'est-ce qu'on va faire de ces orques? Il y a des milliers d'orques capturés, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, il va y avoir un vote au sein de l'Alliance. Je rappelle, l'Alliance c'est un conseil avec les différents monarques, les différents dirigeants qui représentent les royaumes et les races, et en l'occurrence il va y avoir un vote pour savoir est-ce qu'on les tue en fait, est-ce qu'on les extermine, est-ce qu'on extermine les orques ou est-ce qu'on les enferme. Donc il y a notamment deux personnes qui vont voter pour la mort des orques. Il s'agit d'un petit roi, un roi d'un petit royaume, Gilneas, j'ai fait une vidéo dessus, Gen Greymane, qui va donc Gen Gristet en français, qui va tout simplement choisir de voter pour la mort des orques. Il a subi, la côte est de Gilneas a beaucoup subi, donc il a énormément de... Il a une dent envers la horde. Et de l'autre côté, il y a le royaume de Stromgarde qui a été énormément touché par la deuxième guerre, bien entendu, avec le roi Thoras Trollbane, donc Thoras Trollmer, qui lui aussi veut voir les orques mourir. Il est assez énervé, Thoras Trollmer, mais on peut le comprendre. Stromgarde, c'est probablement le royaume qui a le plus pris. On enlève le royaume d'Azeroth, le royaume de Stormwind, Hurlevent, ça c'était plus la première guerre. Mais pendant la deuxième guerre, c'est vraiment Stromgarde qui a le plus bouffé. Donc c'est aussi un petit peu compréhensible, je dirais. Mais au final, suite à ce vote, Gilneas va quitter l'Alliance, puisque Gilneas n'a pas envie de payer pour les camps d'internement, puisque l'Alliance va ensemble financer ces camps d'internement et surtout payer les gardes qui vont s'occuper de gérer les orques, et ça représente des milliers d'orques, donc c'est véritablement... Il faut bien comprendre que c'est des camps de concentration, mais on en fera une vidéo spéciale là-dessus de toute façon, avec l'internement des orques. Mais donc... Gilneas quitte l'Alliance suite à ce problème. Stromgarde, même s'il ne quitte pas l'Alliance, sont pas très contents. Thoras, c'est un roi assez énervé, il est pas très très content de ça, mais Stromgarde reste fidèle à l'Alliance devant le danger que pourraient représenter les orques. Donc finalement, Stromgarde va financer et payer aussi une partie des camps d'internement. Donc pendant ce temps, il n'y a pas que les camps d'internement qui vont être faits suite à la victoire de l'Alliance, il y a un autre bastion qui va être construit, puisque, alors on va faire, je vais en profiter juste avant, pour vous passer la vidéo d'intro de Warcraft 2 Beyond the Dark Portal, qui va résumer un petit peu la fin de War 2 Tides of Darkness, et justement va nous servir d'intro pour Beyond the Dark Portal. Donc on va se regarder ça tout de suite. La horde des orques est anéantie. Les armées de l'Alliance veillent triomphantes sur la porte maudite par laquelle les orques sont entrés en royaume d'Azeroth. Le grand sorcier Khadgar a invoqué les puissances des arcanes qui ont déchaîné la fureur du ciel et de la terre sur la porte des ténèbres afin de la réduire en cendres une fois pour toutes. Devient une faible lueur éclairant les morasses noires. Mais si la porte est détruite, la fissure qui rejoignait ces mondes hostiles demeure béante. Voilà, donc vous avez complètement le résumé, avec justement cette faille qui persiste malgré la destruction. Donc faut bien comprendre que la porte a été détruite, mais même si la porte a été détruite, il reste cette fissure, comme l'a évoqué notre cher narrateur dans la cinématique. Et du coup, pour surveiller cette fissure qui ouvre vers ce qu'on appelle le néant, attention, c'est pas le néant d'Histoire du tout ça, à l'époque il l'appelait juste le néant, mais c'était en gros l'ouverture vers les enfers, parce que pour l'Alliance c'était les enfers, Draenor, la planète d'origine des orques, était considérée un peu comme les enfers. Donc il va y avoir tout simplement une forteresse qui va veiller sur cette fissure, qui s'appelle Netherguard. Donc je crois que c'est Citadelle du Néant, non, j'ai oublié le nom. Bon, c'est pas grave en français, mais vous m'avez compris. C'est Gué du Néant, ou je sais plus, un truc comme ça. Alors, Rat du Néant, un truc comme ça. Mais bon, vous m'avez compris. Du coup, Netherguard,
eh bien, va être construite. Donc une forteresse qui sera majoritairement contrôlée par le Kirin Tor, donc par la nation de Dalaran, la nation magique de Dalaran. Je vous laisse aller voir la vidéo sur les nations humaines pour plus de détails. Mais en gros, donc c'est notamment Khadgar qui va être le chef de Netherguard et qui va gérer au sein de l'Alliance, eh bien, la coordination. Donc toutes les factions de l'Alliance vont payer pour ces Netherguard, pour financer la construction de Netherguard. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a un maçon très doué qui va faire partie des architectes de Netherguard. Je dis comme ça, hein, mais il deviendra plus tard un grand défias, puisqu'il s'agit tout simplement de la famille Van Cleef, qui va s'occuper notamment de construire Netherguard, et d'ailleurs de reconstruire aussi Stormwind. Donc voilà pour la petite anecdote. Mais en l'occurrence, donc la vigilance, comme je l'ai dit, puisque au final, ils sont en train de surveiller quelque chose qui n'est pas présent. Je veux dire, il y a une faille et c'est tout. Donc pas d'orques présents ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que la plupart des nations gueulent un petit peu parce que... pourquoi on envoie des troupes là-bas? Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que ça ressemble énormément un petit peu à la garde de nuit de... à la garde de nuit de Game of Thrones, en fait. On envoie des mecs surveiller un mal qui existait par le passé, mais dont on n'a plus aucune nouvelle. Donc c'est assez intéressant, parce que les troupes de Netherguard, elles sont stationnées, elles doivent surveiller sur quelque chose qui n'est pas présent. Et le fort a été vraiment... l'enceinte a été construite autour de l'ancienne Porte des Ténèbres. Mais on verra que, eh bien, ça va évidemment poser des problèmes par la suite. Donc... la vigilance est très coûteuse pour l'Alliance, il y a pas mal de factions qui sont opposées, même si certaines mettent la main à la pâte, comme Stormguard, encore une fois, qui se sacrifie pour le profit, au profit de l'Alliance. Donc, comme on l'a dit, certaines troupes ont réussi à rejoindre Draenor lors de la fuite, bien avant, bien entendu, la construction de Netherguard. Et l'un de ces héros, j'en ai déjà parlé, il s'agit de Tyrion Gorfind. Tyrion Gorfind, pour un petit rappel, c'est tout simplement donc c'est un des chevaliers de la mort, le chef des chevaliers de la mort. Bon, d'ailleurs à ce moment-là, il est plutôt chef d'une partie des chevaliers de la mort, mais on y reviendra juste après. Et en l'occurrence, Tyrion Gorfind, il était l'un des grands lieutenants de Gul'dan au sein du Conseil des Ombres. Donc c'était un démoniste orc tué par Orgrim Doomhammer lors de la première guerre. Je vous laisse aller voir la première partie de Warcraft 2 là-dessus. Et il a été ressuscité. Gul'dan a tout simplement lié l'âme du démoniste, enfin du nécrolite démoniste orc, en le mettant dans un corps de chevalier humain, d'où cette apparence humaine. Et il va être encapuchonné de jaune, parce qu'il n'est pas en noir, il est en jaune. Et tout simplement, c'est un petit peu la représentation du roi sorcier dans Warcraft 2. C'est vraiment le Nazgûl, le chef des Nazgûl, celui qui sert d'émissaire du grand sorcier, hein, à l'occurrence Ner'zhul. Donc c'est vraiment, faut bien comprendre que c'est un peu le roi sorcier dans l'idée. C'est un mélange d'ailleurs un peu entre le roi sorcier et la bouche de Sauron, si on devait lui greffer des rôles. Et au final... Tyrion Gorfind, du coup, eh bien, va rejoindre Draenor, comme je l'ai dit, il a traversé le portail, et il va être l'instigateur, je dirais, du retour de la Horde, puisque, eh bien, quand il revient avec une partie des clans, donc c'est là aussi où les Trolls à Manie, les Gobelins et une partie des Ogres vont revenir sur Draenor. Pour les Trolls à Manie et les Gobelins, ils découvrent ce nouveau monde, hein, puisqu'ils étaient dans la Horde, et certains sont obligés pendant la bataille de traverser le portail, d'où la présence de Trolls à Manie et de Gobelins en Draenor. Donc, je le rappelle, Tyrion Gorfind, au départ, il retourne sur Draenor et il se rend compte qu'en fait, certains clans orcs qui étaient encore restés là-bas sont en guerre ouverte, hein, tout simplement. Certains aimeraient devenir des nouveaux chefs et créer une nouvelle horde. Et au final, Gorfind va justement chercher un allié. Et il va trouver un allié plutôt intéressant qui bouge aussi un petit peu dans l'ombre. Il s'agit du plus grand chaman de l'histoire de Draenor, qui devient de petit à petit l'un des plus grands sorciers du monde de Warcraft. C'est tout simplement Ner'zhul. Ner'zhul, donc, c'est l'ancien maître de Gul'dan. C'était un chaman à la base. Mais petit à petit, eh bien, il est en train de sombrer vers le côté obscur. Ça coquine avec les pouvoirs des ombres, et notamment, alors quand je dis les ombres, c'est un peu la mort, hein, tout simplement. C'est pas, cherchez pas, quand je dis les ombres, c'est pas forcément le vide, tout ça, hein. Les ombres à la base, c'est la mort. Et en l'occurrence, du coup, il est le chef du clan. Alors, il va y avoir beaucoup de noms de clans, hein, j'en suis désolé, il va y avoir beaucoup de noms de clans. Je vais essayer, j'ai pas mal de visuels pour essayer de vous faciliter la compréhension, mais c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de noms dans cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de clans orcs. Et en l'occurrence, l'un des clans orcs les plus connus, c'est le clan Shadowmoon, dont Ner'zhul est le chef, donc le clan Ombre-Lune en français. Et il s'était isolé justement dans la vallée d'Ombre-Lune, donc la vallée Shadowmoon, en fait il avait perdu, on le rappelle, Ner'zhul. Je ferai peut-être un jour une vidéo spéciale Ner'zhul, mais en l'occurrence, pour rappel, Ner'zhul avait perdu,
son... Parce que pendant un moment, comme il était le plus grand chaman de l'histoire des orques sur Draenor, il était un petit peu le père, le pape un petit peu des orques, mais il avait perdu cette autorité au profit de Gul'dan qui l'avait mis de côté, son propre apprenti l'avait trahi, il l'avait mis de côté, et il l'avait même plutôt fait... Enfin, il l'a même complètement trahi, que ce soit militairement ou politiquement. Et du coup, eh bien, Ner'zhul s'était replié avec son propre clan. Donc c'est vraiment un clan très, enfin, basé sur les chamans. Et lui, justement, avec cet échec, il avait été également manipulé par les démons. Ner'zhul, même s'il n'avait pas accepté la mainmise, on va dire, de la Légion Ardente, contrairement à Gul'dan qui les avait accueillis à bras ouverts, eh bien, Ner'zhul, bah, il a essayé de trouver ailleurs. Et c'est notamment la puissance des ombres, à savoir les pouvoirs de la mort, qui vont petit à petit le transformer de chaman en sorcier sombre, on va dire, hein, en sorcier occulte. Et il va avoir de nouveaux pouvoirs occultes, et c'est aussi pour ça qu'il a ce tatouage très reconnaissable, Ner'zhul, puisqu'il a ce tatouage en crâne, en forme de crâne, sur la tête. Donc c'est devenu un sorcier très puissant, Ner'zhul, et c'est pour ça que Theron va aller le voir et va lui parler, eh bien, tout simplement de ce qui s'est passé lors des événements de Tides of Darkness, hein, donc les événements de Warcraft 2 avec la défaite d'Orgrim Doomhammer, enfin la grande avancée d'Orgrim jusqu'à sa défaite, et notamment eh bien, la trahison de Gul'dan et sa mort qui a eu lieu lors de la remontée de la tombe de Sargeras, et il est mort dans la tombe. Du coup, Theron lui explique que justement, eh bien, Gul'dan avait mis la main sur des artefacts très puissants et qu'on pourrait peut-être utiliser ces artefacts pour la Horde, en fait, pour Ner'zhul et pour la Horde. Donc ça séduit énormément Ner'zhul qui, justement, lui, de son côté, bah, avait envie de... a toujours quand même souhaité un futur à son peuple, et il voit que bah, Draenor, c'est de pire en pire, la planète petit à petit dépérit. Et il veut offrir un avenir à son peuple. Alors attention, quand je dis Ner'zhul, là je suis totalement objectif, je vous ai dit que c'était un de mes personnages préférés, mais il faut être objectif. Ner'zhul, malgré qu'il ait un bon fond, on va dire, il veut sauver la Horde, à ce moment-là, la Horde des Orques, enfin il veut sauver les Orques, il veut sauver son monde. Malgré tout, c'est quand même quelqu'un de très calculateur, et sa défaite contre Gul'dan a accentué son côté froid et calculateur, et un petit peu sa paranoïa. Donc il est très très comment dire, froid, mais c'est quelqu'un de très intelligent, Ner'zhul, qui a énormément de plans, et avec en parlant avec Theron Gorfinn, eh bien Theron se rend compte qu'il a pas forcément la puissance. Donc voilà, l'artwork ressemble beaucoup plus à ce qui est Theron War 2. Alors il y a très peu d'artwork malheureusement sur Theron Gorfinn, et c'est bien triste parce que c'est un personnage super intéressant. Et du coup Theron Gorfinn, qui auparavant était un des ennemis au final de Ner'zhul, rejoint Ner'zhul, et il sait très bien que Theron ne peut pas lutter. Pourtant Theron, c'est quand même l'un des plus puissants chevaliers de la mort qui existait, et lui-même se rend compte que bah, il peut pas rivaliser avec Ner'zhul. Donc il va tout simplement prêter allégeance à Ner'zhul et lui donner pas mal d'informations et devenir tout simplement son lieutenant principal. Non, on verra, c'est pas son lieutenant principal, mais l'un de ses lieutenants principaux, pour justement récupérer les artefacts et lui offrir. Donc Ner'zhul se méfie un peu parce que bon, Gul'dan l'a trahi, il pourrait se dire Theron va me trahir. Mais au final, Theron justement demande en l'échange de son aide d'avoir accès à un monde quand Ner'zhul va ouvrir des portails. À pouvoir accéder à un monde où lui et ses chevaliers de la mort, eh bien, pourront devenir les maîtres d'un monde. Et ça séduit énormément Ner'zhul parce qu'il se dit bon bah voilà, il a un but, s'il a un but il va vouloir le faire, et pendant ce temps bah, il va respecter mes ordres. Donc Ner'zhul est pas très intéressé par Azeroth. Il est pas très très intéressé par Azeroth et la domination du monde d'Azeroth. Lui au contraire, il a envie de justement permettre à la Horde de partir ailleurs, trouver un nouveau monde. Et bon, après c'est un nouveau monde et pouvoir conquérir d'autres nouveaux mondes. Hein. Qu'on soit clair, c'est pas non plus ultra pacifique, hein, ce qu'il veut faire. Mais il s'intéresse pas vraiment à Azeroth. Et surtout, Ner'zhul est conscient que ça risque d'être délicat en fait. Azeroth, il sait que l'Alliance est très puissante. Il sait que l'Alliance est très puissante, que ce soit au niveau militaire ou au niveau magique. Et il sait que l'Alliance, donc de toutes les races, etc., humaines, elfes, nains, gnomes, va potentiellement... La Horde de Ner'zhul est vraiment pas assez puissante. Il n'y a que son clan pour le moment, clan Shadowmoon, avec une partie des Chevaliers de la Mort. Ça suffira jamais. Donc il sait qu'il doit unir les derniers clans orques pour pouvoir créer une nouvelle horde, la horde de Ner'zhul. Mais même s'il arrive à unir tous les clans, ça suffira pas. Si ces clans-là n'avaient pas attaqué, c'est aussi parce que bon, certains étaient complètement bourrins et qu'au niveau militaire, c'était pas non plus les plus grands. Donc ils sont pas assez nombreux, on va dire, pour pouvoir mener un assaut contre l'Alliance. L'Alliance reste, même si elle est fragilisée, l'Alliance reste très forte. Donc ça risque d'être compliqué pour la horde de Ner'zhul. Donc ça, il en a parfaitement conscience. Et eh bien Ner'zhul, comme je l'ai dit, va vouloir mettre la main sur plusieurs artefacts
proposé par Theron Gorfinn, chuchoté par Theron Gorfinn, notamment donc le listing, c'est le crâne de Gul'dan, le livre de Medivh, le sceptre de Sargeras et l'œil de Dalaran. Donc pour ça, Ner'zhul échafaud d'un plan, il veut faire une incursion sur Azeroth. Comme je l'ai dit, la conquête du monde ne l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est tout simplement récupérer ces artefacts-là pour pouvoir ouvrir des portails vers d'autres mondes et ainsi conquérir d'autres mondes pour les orques, pour la horde. Alors, la horde, parce qu'il n'y a pas que les orques au final, hein. Il y a toujours des trolls à Mani, il y a toujours donc des trolls des forêts, il y a toujours des gobelins, il y a toujours des ogres. Mais tout simplement permettre de trouver des nouveaux mondes à conquérir tout en se détournant d'Azeroth pour éviter une vengeance ou autre. Donc Ner'zhul, tout simplement, ça c'est son but, et pour y arriver, bah, il a pour arriver à ses fins, il a besoin d'unir les clans, comme je l'ai dit. Donc, et bah, ce premier avance, je dirais, va commencer avec et bien, le clan Bleeding Hollow, parce que pendant ce temps sur Draenor, et bien, comme je l'ai dit, les autres clans sont en guerre, et certains clans commencent à avoir la main mise sur d'autres. Notamment un des clans orcs qui, pour l'époque, commençait à vraiment être puissant, et du coup une menace directe pour Ner'zhul, pour l'autorité, le pouvoir et le but de Ner'zhul, tout simplement ce qu'il a envie de faire, c'est le clan donc Losing Skull. Alors, avant de parler du clan Losing Skull, donc Theron Gorfinn amène aussi une partie du clan Bleeding Hollow qui avait traversé le portail. Donc, il y a une partie du clan Bleeding Hollow qui va rejoindre Ner'zhul, plus son propre clan, le clan Shadowmoon. Mais du coup, le clan, vous le voyez à l'écran, c'est tout simplement le chef du clan Losing Skull, il s'agit de Mogor. Mogor, c'est un ogre magie c'est assez intéressant puisque Mogor, c'est un ogre magie mais qui dirige un clan orc. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est comme en fait tout simplement Cho'gall avec le clan Twilight Hammer, donc marteau du crépuscule. Et Mogor, donc comme j'ai dit, Losing Skull, je vais le traduire en français une fois, ensuite je redirai Losing Skull, mais c'est le clan Crâne Ricanant, je crois, si je dis pas de bêtises, en français. Et en plus, Mogor a récupéré une partie des Chevaliers de la Mort qui ont traversé la porte, donc les ennemis, on va dire les rivaux de Theron Gorfinn, et c'est grâce aussi à ça qu'il a augmenté son pouvoir, et il commence à remporter ses batailles contre les autres clans, et notamment contre un clan en particulier. C'est le clan Warsong. Le clan Warsong qui s'est fait soumettre par le clan Losing Skulls, et Mogor va enfermer le chef du clan Warsong, à savoir Grom Hellscream, donc Grom Hurle Enfer, qui est capturé, et du coup le clan Warsong est sous les ordres du clan Losing Skull. Et Ner'zhul a un plan, il va tout simplement, il veut libérer Grom Hellscream afin de soumettre le clan Warsong, que le clan Warsong rejoigne la horde de Ner'zhul, et comme ça, ensemble, ils pourront vaincre le clan Losing Skulls. Donc, c'est tout simplement ce qui va être fait. Alors, à ce moment-là, les Warsong vont être libérés, le clan Warsong s'unit au Shadow Moon, et ensemble, ils défoncent le clan Losing Skull, parce qu'ils le détruisent pas, hein, le clan Losing Skull. Le but, c'est tout simplement de les soumettre, hein, pour pouvoir récupérer leur force. Donc, bien sûr, il va y avoir des morts, mais l'idée, c'est quand même de récupérer leur rang, récupérer leurs troupes, récupérer leur ravitaillement, etc. etc. Mogor va du coup s'incliner, le chef ogre du clan Losing Skull va prêter allégeance à Ner'zhul, et du coup, le clan Losing Skull rejoint également la horde de Ner'zhul. Mais c'est pas terminé, il y a d'autres clans orques qui vont arriver, ne vous en faites pas, j'aurai une petite image après avec tout ça. On va enfin parler du bras droit de Ner'zhul, puisque là vous vous dites, c'est Theron du coup le bras droit de Ner'zhul. Et non, le bras droit de Ner'zhul, c'est un ogre magie également, il s'agit de Dantargh. Dantargh qui est un ogre magie très puissant et très intelligent, c'est tout simplement l'un des ogres magie les plus puissants qui ait jamais existé, aux côtés de Cho'gall bien entendu. Et Dantargh, lui, il fait partie du clan Shadow Moon, et c'est vraiment le bras droit. Donc il représente un petit peu, je dirais... Si on devait comparer avec le Seigneur des Anneaux, c'est un peu un mélange entre la bouche de Sauron et Gothmog, donc le général des armées du Mordor, je dirais. Mais en l'occurrence, Dantargh va justement être envoyé avec toute l'armée de Ner'zhul pour pouvoir vaincre d'autres clans qui sont encore indépendants. Et donc là, on voit vraiment le côté calculateur et le côté génie du mal de Ner'zhul, puisqu'il va très très bon politicien, il va réussir à monter les clans les uns contre les autres, réussir à récupérer, du coup profiter de ces conflits internes entre les clans orcs pour pouvoir les récupérer, et à ce moment-là, pouvoir unir tout simplement tous les clans orcs. Donc là, il va envoyer Dantargh, son bras droit, pour allier les derniers clans, et le dernier clan qui s'oppose vraiment à Ner'zhul, en tout cas celui qui en termes de puissance semble très très important après la victoire du clan Losing Skull, la victoire sur le clan Losing Skull, c'est le clan Bunchewer. Alors les Bunchewers, c'est tout simplement les Mâche-les-Os en français, donc qui sont en lutte directe avec un autre clan orc, le clan des Thunderlords, donc le clan des Sire Tonnerre. Je l'ai dit, hein, je suis désolé, il va y avoir beaucoup de noms pour le moment.
un peu de patience, je vous mettrai un petit graphique juste après avec tout. Et le chef de ce clan utilise notamment l'un des artefacts qu'on voit à Ner'zhul, à savoir le crâne de Gul'dan. Il l'utilise comme un trophée parce que le principe des Mashlezo, le principe des Bunchuers, c'est qu'ils ont énormément d'os et de crânes, etc. pour s'habiller en fait. C'est un peu des orques sauvages, hein. C'est pas les plus malins qui restent sur Draenor. Et ils étaient assez sauvages, du coup Orgrim n'en voulait pas spécialement d'ailleurs. Mais du coup, le mec a l'un des artefacts les plus puissants en sa disposition et du coup, il le met sur la tête, hein. C'est voilà, il est, c'est pas un grand malin. Et au final, eh bien, Dantargue va libérer, enfin va tout simplement libérer le clan Thunderlords qui est en train de se faire battre par le clan Bunchuers, donc il rallie le clan Thunderlords. Et pendant ce temps, pendant ce conflit, eh bien, il y a un autre clan qui va se joindre à Dantargue et qui va rejoindre la horde de Ner'zhul, c'est tout simplement, eh bien, Kharghat Bladefist avec son clan. Donc Kharghat Bladefist, c'est tout simplement Kharghat Lamepoint du clan Shattredends, donc les mains brisées, le clan de la main brisée. Et en l'occurrence, eh bien, ce cher Kharghat va aider Dantargue à affronter, tout simplement les Bunchuers. Et suite à ce conflit, tout le monde, tout ce petit monde va rejoindre la horde de Ner'zhul. Et enfin, la horde de Ner'zhul est complète, tous les clans orques. Alors, je dis clans orques et ogres, hein, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a les ogres aussi natifs de Draenor qui sont là. Et tout ce beau petit monde, eh bien, va former la nouvelle horde, donc la horde de Ner'zhul. Alors, pour la petite anecdote, le chef du clan Bunchuers est tué lors du conflit. Et il va être remplacé par un nouveau chef orc qui s'appellera Tagar Spinebreaker. Donc Tagar Spinebreaker, c'est tout simplement en français c'est Tagar Briséchine. Je crois que c'est Tagar Briséchine en français, un truc comme ça. Donc comme je l'ai dit, l'horde de Ner'zhul est rassemblée. Votre patience est enfin récompensée. Voici le symbole de tous les clans orcs que j'ai cités précédemment. En rouge, les couleurs sont importantes. En rouge, on commence par le clan Warsong. Donc le clan... après, j'ai déjà fait les traductions, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais bon, ah, si, on a dit, allez, on va revenir dessus. Clan Warsong, donc le clan Hurle... le clan Chant de Guerre, pardon, dirigé par Grom Elskrim. Ensuite, on a le clan Shadowmoon, donc Ombre Lune, en noir, c'est important, hein, en noir. Qui est dirigé, bien sûr, par Ner'zhul et Dantargue. Ensuite, alors là, c'est en vert, mais dans Beyond Dark Portal, ils sont en orange. C'est le clan Bleeding Hollow. Ils étaient en vert lors de Tides of Darkness, pour ça on n'a pas changé exprès pour pas trop vous perdre. Mais du coup le clan Bleeding Hollow, donc l'orbite sanglante dirigée par Kilrog Deadeye, donc Kilrog mort. Ensuite nous avons en blanc le clan Shattredends dirigé par Kharghat, donc les mains brisées dirigées par Kharghat. On a ensuite en violet le clan de Fenris, le clan Sirtener, donc le clan Thunderlords dirigé par le chef orc Fenris, donc eux ils sont spécialisés sur les loups, etc. Et enfin, nous avons les deux derniers clans, donc en jaune, le clan Losing Skulls, donc les crânes ricanants, et enfin les Bunchuers, donc les Mashlezo, en vert. Donc voilà pour les différents clans qui composent la horde de Ner'zhul. Donc encore une fois, c'est principalement des clans orcs, mais avec des ogres, des trolls à manie, et des gobelins qui ont rejoint les différents clans, notamment le clan Bleeding Hollow et le clan Shadowmoon. Donc à côté de ça, pour vous parler un petit peu, parce qu'on a parlé bien sûr des clans, mais on va parler des grands héros qui sont rassemblés dans cette horde. Il y a du beau monde, et il y en a un dont je n'ai pas encore parlé, mais j'y viendrai après. Nous avons donc Grom Elskrim tout à gauche, le chef du clan Warsong. Nous avons Kharghat Deadeye, le chef du clan Bleeding Hollow. Nous avons Dantargue. Alors le problème c'est que Dantargue il a très très peu de visuels, donc on est obligé d'utiliser des clans, des symboles, des images d'autres ogres, malheureusement, d'autres ogres magie. Mais du coup Dantargue, le bras droit de Ner'zhul, tout simplement du clan Shadowmoon. Ner'zhul, le chef de toute la horde et du clan Shadowmoon. On a Kharghat Bladefist, donc Kharghat Lamepoint, qui est le chef du clan Shattredends. Nous avons ensuite Theron Gorfind, qui est tout simplement le chef des Chevaliers de la Mort. Et la victoire sur Mogor a fait qu'il a récupéré les derniers Chevaliers de la Mort qui n'étaient pas avec lui. Donc c'est vraiment le chef de tous les Chevaliers de la Mort. Et nous avons ensuite un dragon noir. Il s'agit, mesdames et messieurs, de Deathwing, aka c'est Voldemort, mais également, en français, j'ai même un trou. J'ai un trou, c'est pas possible, Deathwing, c'est Eldemort, pardon, Eldemort en français. C'est quand même mieux, Deathwing. Mais bon, du coup, Deathwing, mais on y reviendra, comment Deathwing va rejoindre la horde de Ner'zhul, ce sera bientôt. Donc, comme je l'ai dit, préparation en guerre, tout le monde est ensemble.
Et ils vont tout simplement dans les, ils vont tout simplement, eh bien, réutiliser la porte des ténèbres pour pouvoir envahir Azeroth. Alors quand je dis envahir, pardon, c'est pas envahir, c'est faire leur incursion en Azeroth et pouvoir aller récupérer les artefacts. Donc Ner'zhul a un plan, comme je l'ai dit, c'était récupérer tous les artefacts et il va envoyer différents chefs, ces différents champions, pour pouvoir eh bien récupérer ces différents artefacts. Donc la préparation pour la guerre commence. Les différents clans sont rassemblés autour de la porte des ténèbres. Mais comme je l'ai dit, ça ne sera pas une invasion. Le problème, c'est que pendant cette préparation, pendant cette mise en place, comme je l'ai dit, c'est pas forcément les orques les plus malins hein, qui sont présents sur Draenor. C'est un peu des orques sauvages. Et nous avons notamment eh bien, le clan Lost in Skulls qui eh bien, se met en tête avec Mogor, qui se met en tête de... Vous savez hein, ce qu'on dit, hein, genre, quand ils préparent la guerre, ben, ils la font pas. Et du coup, il commence à y avoir des nouveaux conflits entre les orques. Et ils veulent la guerre. Et on a tout simplement Mogor, donc le chef du clan Lost in Skulls, et Fenris, donc le chef du clan Thunderlords, qui commence à se dire qu'Orgrim, c'était une merde. Il a perdu contre l'Alliance, c'est probablement parce que c'est une merde. Et ils pourraient réussir à le faire. Et Ner'zhul, bah, qui leur partage leur plan, enfin son plan, à savoir de récupérer les artefacts sur Azeroth, mais au final de laisser Azeroth tranquille une fois que les artefacts seront récupérés pour ouvrir des mondes, pour envahir d'autres planètes, et du coup par exemple chaque clan pourra avoir sa propre planète. Ça enchante pas les deux. Eux, ils veulent leur revanche sur l'Alliance, ils veulent, alors qu'ils ont même pas participé au conflit, mais ils se disent Orgrim c'était une merde et ils vont y aller. Ner'zhul c'est un petit peu à l'image du roi Arthur dans Camelot, hein. Il est là, oh là là, vous êtes con. Oh là là, oh là là. Donc il se dit non, ça marche pas comme ça. Moi je donne des ordres, vous écoutez en fait, c'est tout. Et les autres orques quittent le conseil et ils font bon, nous on s'en fout, on veut donc le clan Thunderlords et le clan Losing Skull, ils se disent on va faire notre petite guerre, on va rejoindre Azeroth et on va tout brûler et nous on va faire ce que Orgrim n'a pas pu faire. Évidemment, hein, ça n'aurait jamais pu arriver, mais en l'occurrence ils vont donc lancer une rébellion contre Ner'zhul. Et à ce moment-là, eh bien, Ner'zhul va sévir, évidemment. Ner'zhul va sévir et il va envoyer son bras droit, il va envoyer Dantargue s'occuper de mater la rébellion. Et il va mettre au pas les clans récalcitrants. Il va tout simplement soumettre en combat et il va tout simplement éclater Mogor et Fenris. Et du coup, les deux eh bien, vont de nouveau ployer le genou et de nouveau réitérer, on va dire, leur serment d'allégeance envers Ner'zhul. Et Dantargue sera chargé par Ner'zhul de s'occuper de la soumission de ces deux clans jusqu'à la fin de la guerre. Donc voilà, Dantargue il les a calmés et ça va être son objectif. Donc juste après je vous montrerai un petit peu les affectations des différents héros que j'ai présentés. Dantargue lui restera majoritairement sur Draenor sauf à la toute fin. Mais il restera majoritairement sur Draenor pour gérer le ravitaillement et autres de la Horde. Et faire en sorte que sur Draenor il n'y ait pas de rébellion pendant ce temps de la Horde tout simplement. Ou de certains clans orques. Donc lui il va s'assurer de la loyauté envers Ner'zhul. Donc à côté de ça, Ner'zhul, comme maintenant qu'il est en possession du crâne de Gul'dan, je rappelle le crâne de Gul'dan était contrôlé par les Bunchewers, et bien suite à la victoire contre le clan Bunchewers, il a l'artefact, il a le crâne de Gul'dan, et grâce à cet artefact, ce premier artefact de récupérer, il va pouvoir acquérir les connaissances qui lui manquaient pour pouvoir ouvrir justement la porte des ténèbres. Donc il faut bien comprendre que ça prend un peu de temps, hein. Il y avait déjà la mise en place de l'armée, etc., il y a la rébellion, mais lui pendant ce temps il n'est pas en train de se tourner les pouces, Ner'zhul. Il se sert du crâne de Gul'dan pour essayer de plonger dans les connaissances du crâne. Et alors vous allez me dire, mais c'est qu'un crâne. Oui, mais c'est un crâne très puissant. Au final, Gul'dan était le plus grand démoniste orc qui ait jamais existé. Donc forcément, eh bien son crâne, c'est un petit peu le reliquat de ses pouvoirs. Et du coup, c'est un artefact très puissant. Et Ner'zhul va se servir des connaissances de Gul'dan pour pouvoir justement ouvrir la porte, puisque Gul'dan est le seul à l'avoir fait auparavant. Donc le crâne va lui servir à ça et il va pouvoir eh bien, ouvrir, en tout simplement réouvrir la brèche qui séparait donc la faille entre les deux mondes, entre Azeroth et Draenor. Alors le problème, c'est que, comme on l'a dit, Ner'zhul, s'il va récupérer des artefacts, c'est pas pour rien. C'est que contrairement à la première guerre où c'était Gul'dan allié à Medivh qui avait réussi à ouvrir le portail ensemble, Ner'zhul, lui, la personne qui l'aide de l'autre côté. Heureusement, la brèche, la faille est encore existante, encore présente, et il va se servir de ça pour pouvoir eh bien, réouvrir une brèche. Alors, malheureusement pour l'Alliance, cette brèche ne sera pas au même endroit, ne sera pas exactement au même endroit que la toute première. Donc
Vous allez me dire, mais c'est une brèche dans la réalité, ça devrait être au même endroit, s'il la réouvre, c'est au même endroit. Ça marche pas comme ça, c'est de la magie, et Ner'zhul va tout simplement réouvrir la brèche, mais il va l'éloigner. Il va l'éloigner du point d'ancrage. Donc plutôt que ça s'ouvre en plein milieu du bastion de l'Alliance, eh bien il va l'ouvrir un peu ailleurs, ce qui va permettre eh bien, à quelques individus de la traverser, mais elle n'est pas suffisamment grand pour que toute l'armée, pour que toute la horde puisse traverser. Donc il y a quelques individus qui vont passer, notamment Theron Gorfind. Theron Gorfind, comme je l'ai dit, va traverser la faille avec quelques chevaliers de la mort et ils vont se servir de leur pouvoir ténébreux, enfin de leur pouvoir des ténèbres pour pouvoir se camoufler, pour pouvoir créer un brouillard magique qui va leur permettre eh bien, de traverser la faille sans être vu par les sentinelles de l'Alliance et les sentinelles de Netherguard. Donc, encore une fois, la faille n'est pas présente à côté du donjon de Netherguard. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans WoW, la porte, ça va permettre d'ouvrir la nouvelle porte des ténèbres, et la nouvelle porte des ténèbres eh bien, n'est pas à Netherguard. La première porte des ténèbres était à Netherguard, à l'endroit où il y a Netherguard, mais l'autre est plus loin. Et c'est pour ça justement que la porte des ténèbres n'est pas au même endroit que Netherguard. Moi je m'étais souvent posé la question quand j'étais plus petit, et c'était ça, c'était tout simplement ça l'idée. Donc, Theron Gorfind va devenir tout simplement l'émissaire, c'est pour ça que je vous parle du roi sorcier de la bouche de son, puisqu'il va vraiment devenir l'émissaire de Ner'zhul sur Azeroth, là où Ner'zhul lui restera en Draenor. Ner'zhul traversera jamais la porte, il restera toujours sur Draenor pour le moment. Et du coup le chevalier de la mort va être un des seuls à traverser, et tout simplement sur place eh bien, il va faire la rencontre de quelqu'un qui vient à lui. Il s'agit du grand et du vieux général très expérimenté de la horde, Kilrog Deadeye. Donc Kilrog. Donc là-dessus, Theron est un petit peu... Alors Theron de toute façon voulait aller trouver certains clans orques qui restaient, mais il a un peu de chance puisque, bon, ou alors vous allez me dire un peu de hasard, Kilrog vient à lui. C'est quand même incroyable. Quel bol, quelle chance. Ce jour-là, boum, il rencontre Kilrog. Eh bien, c'était pas un hasard. C'était pas un hasard puisque Kilrog, il est lié, on va dire, au pouvoir chamanique de la Horde. C'est d'ailleurs ce qui donnera l'inspiration pour Warlord of Draenor dans World of Warcraft, puisque, eh bien, il a eu une vision. Il a eu un rêve. Où justement il voyait une espèce de prophétie comme quoi eh bien, un chevalier de la mort allait venir le voir et allait lui dire de rejoindre la horde de Ner'zhul. Et c'est ce que fait Theron Gorfind, et du coup Kilrog est venu avec ses troupes à la rencontre justement du chevalier de la mort. Et au final bah, cette vision était en fait une prophétie, il avait bien vu, et en l'occurrence eh bien, Kilrog va rejoindre la horde de Ner'zhul, il va offrir ses troupes à Ner'zhul, sachant qu'il va quand même le prévenir que toutes ses troupes ne sont pas à ses côtés, puisque lors de la bataille de comme je vous l'ai dit, de Blackrock, les troupes de la Horde ont été soit capturées, soit dispersées. Donc il va rester des clans, il va tout simplement rester des orques du clan Bleeding Hollow un peu partout, notamment près de Stormwind, enfin de l'ancienne ville de Stormwind, donc Hurlevent, et certains camps d'internement. Et Kilrog va justement demander de l'aide de Ner'zhul pour libérer ses frères, hein, pour libérer les membres de son clan. Et il rejoint du coup le dernier, enfin ceux qui avaient pu traverser la porte. Donc ça va être très important. Et il va rejoindre du coup Draenor à ce moment-là, Kilrog. Puisque c'est encore une fois le conflit, même si ça va être vraiment, ça dure qu'une année, le conflit va être quand même relativement rapide. Mais on part vraiment sur un blitzkrieg. Hein, l'idée que justement Ner'zhul veut récupérer les artefacts le plus vite possible sans que l'Alliance puisse contrer, tout simplement eh bien, contre-attaquer la Horde. Donc ça c'est quelque chose de très important qu'il faut bien comprendre. Donc il va rejoindre Theron, donc les chevaliers de la mort, et ensemble ils vont attaquer tout simplement Netherguard, donc la forteresse de Netherguard. Netherguard, il s'attendait tout simplement à une attaque à l'intérieur. Il voit d'un côté le clan Bleeding Hollow qui attaque de l'extérieur, et au même moment Theron va utiliser ses pouvoirs, j'allais dire démoniaques, il faut surtout pas que je dise démoniaque parce que c'est pas démoniaque, ses pouvoirs des ténèbres pour pouvoir eh bien, faire venir d'autres. Pour pouvoir parler directement avec Ner'zhul et pouvoir lui dire que justement il peut renvoyer d'autres troupes, comme ça ça fait une attaque bilatérale, enfin ça fait une attaque sur double front. Le clan Bleeding Hollow et les chevaliers de la mort de Theron qui attaquent par l'extérieur, et une partie de la horde qui traverse à ce moment-là la faille qui est présente justement au milieu, et du coup eh bien il y a une attaque, et Netherguard n'était pas du tout prêt à une attaque pareille. Encore une fois, c'est un petit peu comme la garde de nuit dans Game of Thrones, ils sont en sous-nombre et ils se font complètement détruire. Donc la citadelle de Netherguard tombe, la forteresse de Netherguard tombe, et à ce moment-là, eh bien, c'est la horde qui va pouvoir pénétrer en Azeroth. Donc encore une fois, la grande faille
Donc la porte va être construite, cette fois pour pouvoir stabiliser un petit peu justement l'entrée. Maintenant que les autres ont traversé, bah, ils vont pouvoir stabiliser la faille. Et alors, je rappelle, c'est pas la faille dans Netherguard, c'est la faille à l'extérieur. Et la nouvelle porte des ténèbres va être construite. Donc, Terron, maintenant, bah, se dit, bah, justement, il faut qu'on a, ça y est, on a bougé les premiers pions. Il faut qu'on agisse au plus vite. Et là, il va y avoir tout simplement la libération d'une partie des, donc les premières attaques de certains camps qui étaient aux alentours de Netherguard pour libérer des orques du clan Bleeding Hollow, comme la promesse, enfin pour respecter la promesse qu'ils avaient fait Ner'zhul et Terron à Kilrog. Et là il va y avoir un petit point de divergence entre Warcraft 2 et le livre Beyond the Dark Portal. Il y a quelques points qui divergent entre les deux. Ça va être justement l'événement, parce que dans Warcraft 2, Le premier truc, c'est tout simplement que Terron se dit, bah, il veut justement récupérer d'autres anciens membres de l'ancienne horde d'Orgrim, et du coup il va à Blackrock, il va sur le mont Blackrock pour récupérer Rain Maim Blackhand, donc les mains noires, hein, les enfants de Manoir, le premier chef de guerre de la horde, et récupérer le clan Blackrock, le clan Blackrock, genre roche noire, mais du coup... À ce moment-là, ce qui est très important, c'est que justement les clans, enfin Terron Gorfind, dans le livre, donc ce qui a été finalement canonisé, va choisir de récupérer le premier artefact le plus rapidement et le plus simple pour lui, c'est tout simplement le livre de Medivh, donc le livre du dernier gardien, le livre de Medivh, celui qui avait permis aussi hein, d'ouvrir la porte des ténèbres de l'autre côté. Il y avait le crâne de, enfin il y avait Gul'dan et Medivh, et bah justement le livre de Medivh avait aussi servi. Et le livre de Medivh, selon les informations, serait tout simplement à donc New Stormwind ou New, enfin nouveau Hurlevent, donc je sais pas comment en français parce que c'est que ça a toujours été New Stormwind, mais du coup la nouvelle Hurlevent. Sauf qu'elle est en reconstruction, bien entendu, puisque Stormwind avait été détruite et pillée, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, pendant les événements de Warcraft 1. Et en l'occurrence, eh bien, la ville elle est en pleine reconstruction et c'est le moment où elle va être attaquée. Alors, encore une fois, la horde de Ner'zhul n'est pas si nombreuse. Et pour le moment, la porte est en pleine phase de stabilisation, elle est en reconstruction. Donc, toute la horde ne peut pas arriver aussi vite. Donc, Terron, avec une petite troupe, et notamment avec le clan Bleeding Hollow, va s'infiltrer dans New Stormwind et va... Alors là, encore une fois, il y a une petite divergence, puisque dans Warcraft 2, ils vont tout simplement piller la ville et détruire une partie de la reconstruction de la ville, alors que dans le livre, c'est une infiltration vraiment de Chevaliers de la Mort qui réutilisent encore une fois leur pouvoir des ténèbres pour créer cette petite brume magique, cette espèce de vent glacé, pour aller chercher, encore une fois, le principe avec aussi les Nazgûl, hein, ce côté de ce vent magique, avec des silhouettes qui passent, et pour récupérer justement dans la bibliothèque des informations et le livre de Medivh, sauf qu'ils se rendent compte que le livre de Medivh n'est pas là. Il a été subtilisé par des troupes Alteraki, donc du royaume d'Alterac, qui avait, je le rappelle, trahi l'alliance dans Warcraft 2 pour rejoindre Orgrim Doomhammer et la Horde. Donc ça, c'est la petite divergence, puisque en fait, New Stormwind avait rebrûlé, la ville de Stormwind avait rebrûlé. Finalement, pour le livre, en fait, encore une fois, il y a vraiment un choix, je pense, du romancier, puisque le principe dans le livre, c'est d'essayer de faire une montée crescendo, avec au début la Horde qui va en infiltration pour pas que l'Alliance soit informée, et petit à petit récupérer les artefacts, et évidemment, avec le temps, l'Alliance se rend compte de plus en plus qu'il y a quelque chose qui cloche, que les orques sont de plus en plus actifs et qu'il y a peut-être une nouvelle invasion qui arrive. Et justement, c'est pour ça qu'on va vraiment garder le côté infiltration. New Stormwind n'est pas brûlé, mais finalement, on se rend compte qu'il y a eu une infiltration en plein Stormwind et ça alerte évidemment. L'Alliance commence à se poser des questions. Donc ça, c'est très important. Donc New Stormwind va être violé avec... Alors encore une fois, c'est pas la Stormwind que l'on connaît dans World of Warcraft et tout. Hein. Là, c'est vraiment la reconstruction. Hein. La reconstruction vient de commencer. Les troupes d'Azeroth, donc les troupes du royaume d'Azeroth, les troupes d'Hurlevent, les troupes de Stormwind, reviennent dans leur nation, dans leur fief, et sont en train de reconstruire tout le royaume. Donc c'est pour ça que c'est encore tout petit et qu'il y a pu avoir un petit manque de prudence. Et la magie de Terron a fait en sorte qu'ils ont pu s'infiltrer tranquillement. Lors du sac, comme je l'ai dit, ils se sont rendus compte que c'était le royaume d'Alterac qui possédait le livre de Medivh. Donc ça, eh bien, ça va permettre à Terron de se dire bah, il faut qu'on aille en Alterac pour récupérer le livre. Et c'est là que justement ils vont aller au mont Blackrock, où il y aurait justement une partie de l'ancienne horde avec des dragons pour pouvoir aller plus vite en Alterac. Je rappelle encore une fois, l'idée c'est un blitzkrieg, c'est vraiment une guerre de vitesse, une guerre de rapidité pour pouvoir... un conflit très rapide pour pouvoir récupérer les artefacts et repartir. Le truc, c'est que quand Kilrog
de pas Killrogue, pardon. Quand justement, eh bien, Terron arrive sur Blackrock, c'est un petit souci puisqu'il va y avoir, des problèmes. Il va y avoir des problèmes. Je vais quand même vous montrer la map avant, mais chacun va avoir des tâches justement. Nerzhul va confier des tâches à ses différents champions. Chacun va partir d'un côté d'Azeroth pour récupérer les derniers artefacts manquants, à savoir le livre de Medivh, le sceptre de Sargeras et l'œil de Dalaran. Donc on va ouvrir la carte. C'est assez important pour que vous ayez un visuel sur tous les déplacements des troupes. Donc, comme vous l'avez vu, le premier point, c'est que le portail est à côté de Netherguard, la porte des ténèbres est à côté de Netherguard. Première attaque de la Horde, justement, sur Netherguard. Ensuite, c'est Stormwind qui va, donc Hurlevent, qui va prendre l'arrivée, on va dire, l'infiltration de Terron et des Chevaliers de la Mort. Et c'est à ce moment-là où il va y avoir vraiment une séparation des troupes de la Horde avec les différents clans. Je vais vous montrer après, je vais vous parler des clans, mais sur là, vous voyez justement les symboles, avec notamment donc l'arrivée au mont Blackrock pour essayer de récupérer le clan Blacktooth Grim, donc le clan Blackrock, et au final, Rend et Maim, ils ont d'autres projets, et gentiment, ils disent à Nerzhul, il envoie paître tout simplement Terron Gorfind, en lui disant non, mais nous, ça nous intéresse absolument pas, on a notre propre projet, donc casse-toi, t'es bien gentil, mais on n'en veut pas de ta horde, Nerzhul c'est juste un vieux croulant, et c'est tout. Évidemment, ils sont pas très très contents, mais vous allez voir qu'ils vont repartir vers le nord, donc là, je spoil un petit peu ce qui va se passer, mais ils vont donc tout simplement... Terron lui va être chargé de récupérer l'œil de Dalaran et le livre de Medivh, donc il va repartir vers le nord. Alors que pendant ce temps, une autre partie de la Horde, donc le clan comme vous le voyez, donc le Sire Tonnerre, donc le clan Thunderlords et le clan Bunchewers, eux vont devoir aller récupérer, donc Fenris et Dagar vont devoir aller récupérer le sceptre de Sargeras dans la tombe de Sargeras, là où Gul'dan avait été tué. Pendant ce temps, comme vous le voyez en rouge, vous avez aussi un autre clan, le clan de Grom Elskrim, le clan Warsong, qui lui va avoir la tâche un petit peu, pas ingrate au final, mais une tâche différente. Lui, il va pas aller chercher les artefacts. Nerzhul, encore une fois, est un très bon stratège, et il se dit que si jamais ils avancent comme ça, ils avancent les yeux fermés, l'Alliance va se douter de quelque chose, et l'Alliance va contre-attaquer. Et si l'Alliance attaque pendant que les autres troupes sont parties pour récupérer les artefacts, bien potentiellement ils ne pourraient pas revenir pour ramener les artefacts. Donc Grom Elskrim avec le clan Warsong va avoir la tâche, et ils sont un petit peu spécialisés là-dedans, c'est des pillages. Ils vont avoir comme rôle d'écumer un petit peu toute la partie sud du continent d'Azeroth, pour pouvoir semer la pagaille un peu partout, essayer de dire que les messagers de l'Alliance soient complètement croulent sous les rapports, en mode « Oh, la Horde a été vue ici, la Horde a été vue ici, la Horde a été vue ici », et qu'en fait, à chaque fois, les mouvements de troupes de l'Alliance aillent dans des endroits où en fait la Horde n'est pas. Et par exemple, le clan Warsong va attaquer le nord du royaume d'Azeroth, donc par exemple l'abbaye de Northshire, donc c'est comté du nord. Le sud de Kazmodan va également être attaqué, et... le grand coup de maître de d'Elskrim, ça va être surtout les attaques, les raids menés sur Kul Tiras. Donc toutes les îles de Kul Tiras, et notamment Kul Tiras même avec des petits raids un petit peu comme Gil'neas avait pris, et Kul Tiras aussi en avait pris lors du conflit contre la Horde d'Orgrim. Donc ça c'est super important, ça c'est voilà, parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le rôle que vont jouer les différents chefs. Donc je vais récapituler, on a Killrogue et le clan Bilingolo, lui il va avoir une autre tâche, ça va être tout simplement de protéger la Porte des Ténèbres pour permettre justement aux orques de pouvoir d'avoir les ravitaillements nécessaires et de permettre les déplacements de la Horde. Hein. Évidemment, le bastion de la Horde de Nerzhul, c'est la Porte des Ténèbres. Et Netherguard qui est nouvellement conquise par la Horde. Donc Killrogue, lui, va avoir un rôle vraiment défensif, ce sera le bouclier de la Horde. Et à l'expérience, on met au profit toute sa connaissance, puisque c'est vraiment le vieux général vétéran de la Horde, que ce soit la Horde d'Orgrim ou de la Horde de Nerzhul d'ailleurs. D'ailleurs, c'est le seul lien entre les deux. Enfin, on a, donc comme je l'ai dit, Grom qui ouvre la voie pour permettre à Fenris et à Dagar de pouvoir traverser et de récupérer la porte, de récupérer le sceptre sur les îles, tout simplement la tombe de Sargeras. Mais le truc, c'est que, évidemment, il y a les patrouilles de Kul Tiras qui traversent, et en attaquant Kul Tiras, il va monopoliser l'attention des forces de l'Alliance, qui va permettre à Fenris et Dagar de passer. Mais Fenris et Dagar vont être aidés également juste après par les dragons noirs, et on y reviendra après. Donc, comme je l'ai dit, il va y avoir tout simplement un truc qui est très important, c'est
l'alliance avec les dragons noirs. Donc comme je l'ai dit, il va y avoir la faille est sécurisée, tout commence à bien rouler. Le seul problème, c'est comment atteindre Alterac très rapidement pour récupérer le sceptre, le livre de Medivh. Et ça, c'est quelque chose d'important. Terron est toujours à la recherche d'alliés, Ner'zhul veut des alliés de l'ancienne horde présente sur Azeroth pour pouvoir l'aider dans sa quête des artefacts. Et comme Terron s'est pris un vent par les fils de Blackhand, il va faire la rencontre au même moment, juste au pied du mont Blackrock, d'un humain un peu particulier. C'est tout simplement Deathwing, donc l'un des aspects, le chef du vol noir des dragons. Et Deathwing va proposer son aide à Ner'zhul, qui se rend compte que la horde est présente. Et lui, il a toujours des petites machinations à faire, et il a ses propres projets, Deathwing. Et du coup, Deathwing va tout simplement donner des drakes, donc des dragons noirs, à Ner'zhul pour pouvoir facilement transporter les soldats et les différents chefs dans leurs tâches, donc notamment Fenris et Tagar sur avec, bien sûr il y aura quand même des vaisseaux, hein, il n'y a pas que des dragons noirs, mais il y a aussi des bateaux, hein, bien sûr, et ils vont aller sur la tombe de Sargeras, et les autres vont pouvoir aller à Alterac, par exemple, va monter un dragon noir pour pouvoir aller en Alterac. Et donc ça, c'est quelque chose d'important, mais Deathwing, il fait pas ça par gaieté de cœur, il fait pas ça gratuitement. Vous savez que Deathwing a toujours des projets, il a un projet plus global, Deathwing, et il veut tout simplement... Donc le marché, c'est un pacte, le deal, c'est tout simplement, je vous prête des dragons noirs, je vous prête des dragons noirs comme bêtes de guerre, comme monture. Donc contrairement aux dragons rouges de la horde d'Orgrim, ceux-là, ils acceptent de se faire monter par les chevaucheurs. C'est pas Alexstrasza qui est violé jour et nuit pour pouvoir faire des nouveaux dragons et que les orques vont chevaucher. Là, les dragons noirs sont consentants. Et au final, ce qui est très important, c'est que ça va permettre justement de traverser plus vite pour pouvoir récupérer les artefacts. Mais Deathwing, en contrepartie, lui, il veut un accès à la Porte des Ténèbres pour pouvoir faire traverser une cargaison d'œufs, du vol noir, et également à récupérer un bout de terre de Draenor pour pouvoir garder son vol. En gros, qu'il est tout simplement une caverne, un endroit pour que son vol puisse être caché, une partie de son vol puisse être cachée. Puisque Deathwing, un des problèmes, c'est que il a peur, il est toujours en guerre avec les autres vols draconiques. On y reviendra dans une autre vidéo qui sera justement le jour du dragon. Mais il avait déclaré la guerre aux autres vols draconiques, et il est un peu parano, Deathwing. Enfin, après, il a raison de l'être, hein. Il a peur justement que les autres vols draconiques s'allient contre lui. Et pour ce faire, il décide de garder une carte en réserve. Et la carte en réserve, ce serait justement, puisqu'il sait que les dragons ne le suivront jamais en Draenor, donc il veut cacher une partie de son vol en Draenor. Et ça ira tout simplement dans la zone qu'on découvrira dans Burning Crusade et dans World of Warcraft, c'est tout simplement la zone des tranchantes, donc Gorgon. Alors pour la petite anecdote d'ailleurs, ça aussi, ça a été retcon, puisque à l'époque... c'était une île. Le repère de Neltharion, donc le repère de Deathwing, était une île. Et finalement, c'était une île au sud de la Porte des Ténèbres, donc au sud de la péninsule des Flammes Infernales, et ça a été complètement ramené au nord, au niveau de Gorgon. Donc, voilà, c'est pas très grave, honnêtement, ça change pas grand chose, mais l'idée, c'est toujours cette idée d'un repère pour le vol noir, pour pouvoir se cacher des autres vols draconiques, pendant que lui fait ses petites machinations sur Azeroth. Donc voilà, ça c'est le pacte, Ner'zhul et Terron sont d'accord, donc Terron va proposer, envoyer le message à Deathwing, à Ner'zhul. Ner'zhul va dire, oui, pas de problème, vas-y, c'est ok. Donc les deux acceptent et vont se prêter assistance. Donc comme je l'ai dit, du côté de Grommelskrim, donc il va profiter de ça pour pouvoir attaquer un petit peu toutes les factions de l'Alliance. Et on a justement le passage qui, grâce à Grom, est bloqué. Enfin, et là, on va dire que la tension est sur le clan Warsong. Et du coup, Fenris et Tagar, donc le clan Thunderlords et le clan Bunshower, vont pouvoir traverser la mer et rejoindre tout simplement le rivage brisé, hein, ce qu'on appelle le rivage brisé, donc les îles brisées, avec que Gul'dan avait ramené il y a quelques années du plancher océanique. Et ils vont pouvoir traverser ces îles et pouvoir aller rejoindre la tombe de Sargeras, où il y a le sceptre de Sargeras. Sauf que sur place, il va y avoir des petits problèmes pour Fenris et Tagar. C'est que les attendent des démons, hein, puisque c'est les démons qui avaient tué Gul'dan. Et ces démons ont réanimé une partie des orques qui avaient été tués par Rend et même Blackhand. Ils vont ramener, donc il y a des orques du clan Twilight Hammer et du clan Stormriver, donc...
C'est les Tisses-Foudres, je crois, les Stormriver en français, et le Twilight Hammer, donc c'est le marteau du crépuscule. Donc c'est des orques et des trolls et des ogres morts, et des gobelins morts, qui vont être réanimés par les démons, et ils vont eh bien, devoir se battre. Et sachant qu'il y a encore quelques survivants du clan, notamment Bleeding Hollow, encore eux, et ils vont les libérer, ils vont les récupérer, et ils vont récupérer surtout le livre, le sceptre de Sargeras. Alors malgré tout, on va dire, la nécromancie va rester sur l'île, c'est ce qui fait que des années plus tard, Maiev eh bien, affrontera aussi des orques du clan, enfin des morts du clan Stormriver et du clan Twilight Hammer. Mais bon, ça c'est une petite anecdote, allez voir la vidéo sur Frozen Throne, j'en parle dedans. Mais en l'occurrence, donc maintenant que c'est fait, le sceptre de Sargeras a été récupéré par Fenris et Tagar, donc Ner'zhul, il n'y a plus que deux artefacts qui lui manquent, le livre de Medivh et l'œil de Dalaran. Et grâce au dragon noir, alors... Grâce au dragon noir, il va pouvoir atteindre Alterac. Pendant le trajet, Deathwing envoie la dernière partie sur le plan de Deathwing. Il envoie ses deux enfants préférés. Il envoie Nefarian et Onyxia à la montagne Blackrock, hein, donc montagne roche noire en français, pour justement la suite de son plan, qui est l'annexion de ce qui s'appelle la Horde Noire, donc la Horde de Reine des Maimes, récupérer leurs forces pour de futurs plans. Je vous laisse la vidéo de WoW Classic, de WoW Vanilla, pour pouvoir avoir plus d'informations sur ce qui va se passer. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote, mais ça fait le lien justement avec les événements de WoW Classic, de WoW Vanilla. En l'occurrence, donc maintenant qu'ils sont en possession du livre et du sceptre, c'est l'attaque tout simplement... j'ai Alterac avant, donc l'attaque d'Alterac. Et au moment où justement ils veulent se battre pour récupérer le livre de Medivh, en fait, eh bien, il y a Aedan Perenhold, donc le roi d'Alterac, qui vient directement à Terran Gorfin quand Terran Gorfin arrive. Et il pensait se battre, et en fait pas du tout. Aedan lui dit, bah écoutez, j'ai le livre justement, j'ai le livre pour vous, je vous le donne, mais on va faire un pacte. Encore une fois, un pacte, j'aime les pactes, répond Terran. Et donc ce pacte, ça va tout simplement être, on te donne le livre, mais en échange... Eh bien, Alterac a été mis sous loi martiale. Nous avons tout simplement les nations de Stromgard et de Lordaeron qui dirigent, qui ont bloqué complètement Alterac et qui contrôlent Alterac. Et moi, je veux récupérer mon royaume, donc je vous demande de l'aide. Détruisez les garnisons de Lordaeron et de Stromgard, comme ça je peux eh bien, de nouveau récupérer Alterac et de nouveau avoir un royaume autonome, tout simplement. On verra plus tard, ce ne sera pas forcément la meilleure des idées hein, pour Aedan. Mais en tout cas, c'était ça le pacte. Terran accepte. Et du coup, Deathwing et Terran Gorfind eh bien, vont se retourner, enfin, vont brûler les deux casernes donc, de Lordaeron et de Stromgard, donc les troupes qui annexaient Alterac. Finalement, Alterac récupère son indépendance. On verra, ce sera temporaire, on verra ça dans une autre vidéo. Et au final, eh bien, le livre de Medivh a été récupéré. Donc maintenant que le livre de Medivh est récupéré, il ne reste qu'une chose, c'est l'œil de Dalaran, l'artefact manquant, le dernier manquant. Et l'œil de Dalaran, bah, comme son nom l'indique, il est présent à Dalaran. Donc c'est le moment où il faut eh bien, s'infiltrer, il faut rentrer dans la ville et récupérer l'une des reliques les plus puissantes, qui est gardée bien sûr par les archimages de Dalaran. Le truc, c'est que l'attaque, donc c'est une attaque surprise, il y a Deathwing et les dragons noirs qui vont faire diversion en cramant des bouts de la ville. Ça va je dirais, l'attention des archimages. Pendant ce temps, Terran Gorfin, encore lui, fait son petit tour de magie, hein, comme les Nazgûl, encore une fois, pour s'infiltrer dans la ville, avec également des orques, hein, notamment différents chefs de clan, pour pouvoir l'aider, et ils vont rentrer tout simplement dans, en gros, la réserve des artefacts de Dalaran, et ils vont récupérer l'œil de Dalaran avant que le Conseil des Six, hein, donc l'organe dirigeant et les mages qui regroupent les mages les plus puissantes d'Alaran puissent contre-attaquer. Et ils repartent, donc ils ont pillé en partie Dalaran, et il y a eu Dalaran qui avait déjà été attaqué pendant la Deuxième Guerre et de nouveau un petit peu brûlé et pillé. Après, c'est pas non plus une destruction complète, mais voilà, il y a des bouts de la ville quand même qu'on subit le feu des dragons. Donc ils vont repartir avec l'artefact, et c'est à ce moment-là justement que l'Alliance se dit « Ok, il commence à y avoir Anguille sous roche, on nous a cramé les différents bastions d'Alterac, Dalaran aussi, qu'est-ce qui se passe ? » Et au final, les membres de l'Alliance commencent à se dire « Il y a vraiment un truc. » Ok, il y a une nouvelle invasion de la Horde, ça on a bien compris, mais ils ont vraiment un but. Ces attaques sont pas anodines, et c'est notamment Khadgar qui va commencer à cogiter et se rendre compte du plan, on va dire, du stratagème de l'adversaire. Mais ça, on y reviendra dans la suite, bien sûr, dans la partie 2 de Beyond the Dark Portal, et surtout, eh bien, la dernière partie de la Deuxième Guerre, donc la partie 4 de la Deuxième Guerre.
toute la horde va se replier comme je vous l'ai montré. Donc dernier petit topo sur la carte. Donc voilà, les troupes qui étaient, enfin donc les forces qui étaient présentes sur la tombe de Sargeras, sur les îles brisées, sur Dalaran et Alterac, bon ça c'était les mêmes hein, qui avaient attaqué Alterac et Dalaran, vont repartir vers Netherguard et la Porte des Ténèbres. Et le clan Warsong aussi va revenir, hein, tous les clans vont revenir, bien sûr sauf celui qui est indiqué sur la carte, à savoir le clan Blacktooth Grim, mais tout le monde va revenir sur le bastion tout simplement de la Horde. Et à ce moment là eh bien on a tout simplement la, je dirais pas la victoire de la Horde, mais on est quasiment sur la victoire, si hein, on est, il est en possession de tout. Mais justement comme je l'ai dit, les généraux de l'Alliance ont commencé à se dire qu'il y avait Anguille sous roche, ils vont à Netherguard. Et à Netherguard, ils se rendent compte que les orques ont attaqué la ville. Et au final, eh bien, il va y avoir donc l'avant-garde de l'Alliance qui attaque. Et le siège va être brisé par les renforts de la Horde qui étaient les dernières forces que je vous ai dit. Hein, donc le clan Thunderlords, etc. Et tous les héros de la Horde vont se regrouper. Certains en traversant le portail, d'autres de l'extérieur. Et ça fait une nouvelle attaque de l'intérieur et de l'extérieur. Le siège est brisé. Netherguard reste sous le contrôle de la Horde. L'Alliance est vaincue, en tout cas l'avant-garde de l'Alliance est vaincue, et du coup c'est à ce moment-là où Théron peut traverser la porte avec tous les artefacts manquants et rejoindre son maître, rejoindre Ner'zhul, qui va pouvoir entamer les préparatifs pour créer pour le rituel sombre qui lui permettra d'ouvrir de nouveaux portails pour que la Horde puisse envahir de nouveaux mondes et récupérer de nouvelles terres promises pour la Horde, des orques, des trolls, des ogres et des gobelins, mais surtout des orques quand même. Donc voilà qui clôture tout simplement la première partie de Beyond the Dark Portal. Nous verrons dans la partie 2 la suite avec l'Alliance contre-attaque, tout simplement avec les héros de l'Alliance qui vont affronter et qui vont vouloir mettre fin définitivement à la menace que représente la Horde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était peut-être un petit peu plus long que prévu, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas bien sûr à liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. J'espère que j'ai été assez clair là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de noms de clans, donc ça peut-être être un peu difficile. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, hein, tout simplement. Donc on se donne rendez-vous pour la partie 2 de Beyond the Dark Portal. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, dans les gros morceaux de l'histoire de Warcraft, on attaquera bien entendu. Alors, j'attaquerai Burning Crusade pour les suites de WoW. Hein, pour les suites de WoW. Alors, c'est pas du tout dans l'ordre, hein, je sais. On attaquera également l'Empire Noir et on fera aussi, là par contre, qui est en vraie suite, justement la fin de la Deuxième Guerre avec notamment le Jour du Dragon. Et on profitera du Jour du Dragon pour faire un récap de l'après-guerre, donc de l'entre-deux-guerres entre Warcraft 2, la Deuxième Guerre, et Warcraft 3, la Troisième Guerre. Donc voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager autour de vous. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. À plus dans le Nexus. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à follow sur Twitter et Facebook. Petit bisou. Voilà, à bientôt.